drink soon. C'est chiant, toujours, toujours à se plaindre, toujours à se plaindre. Mais on l'aime bien, notre petite aventurière, on l'aime bien. Alors, la dernière fois, on a trouvé donc ce mobilhome, qui est plutôt bien aménagé, car il y a un établi. Ah, donc c'est vraiment ça qui est cool. Ah, il y a des étagères, il est pas si mal en fait, il y a juste ça là, les câbles. Ah, dégueulasse. Sinon, il est vraiment cool, il y a un lit, tout ça, il y a même un micro-ondes. Tout ce qu'on veut, il y a tout ce qu'on veut. Donc on va continuer l'exploration de notre petite zone. On va manger ça. On va continuer l'exploration de notre petite zone. On va essayer de cartographier un peu le périmètre. De voir s'il n'y a pas autre chose un peu à fouiller, tout ça. Et après... je sais pas. Après on va voir. On va voir un peu le temps. Le temps est pas mal. Le temps est pas mal, très bien. C'est pas ça, c'est ça. Alors, on fait voir un peu. Le carré stockage. Ok, parfait. On a vu que ça a dessiné des lapins et des encore des... des champignons et tout. Donc on a encore des choses à récupérer, c'est bien. Là on avait tout fouillé ou pas? Je me rappelle plus. Parce qu'on a eu le loup. Ah oui, on a la caisse aussi. Le banc, non. On a la caisse. La caisse c'est quoi? C'est 20 minutes de... Ouais, 20 minutes pour ça honnêtement, c'est bien. Je voudrais me mettre sur le... là. Si jamais on peut trouver un moyen de descendre, genre là, pour aller à la pêche directement d'ici, honnêtement, c'est magnifique. Mais je crois pas qu'il y ait de moyen. Je vois pas de corde, rien. Là, il y a quoi, là-bas, là? C'est des herbes? C'est des bambous? Des roseaux? Je crois qu'il doit y avoir encore des... des roseaux, là. Massette là-bas. Non, attends, je voudrais. Ok, ici. Ok, c'est pas mal. Ok. Ok, on va rentrer, dormir encore une petite heure, histoire de se réchauffer, de moins être fatigué aussi. Genre nous, la grotte, elle est là-bas. Faut qu'on fasse encore un petit stock de bois, enfin honnêtement. Enfin, à la limite de petits bâtons. De petits bâtons. Parce qu'on, mais on en a déjà tellement là. Genre le bois de récupération, on en a des masses. On a les crackers là, ou je sais pas quoi là, les petits biscuits là. Ouais, boîte de biscuits là. Ça, on va peut-être le prendre sur nous. On va peut-être le prendre sur nous, parce que c'est 0,10 en poids. C'est 600 calories, je crois. Ça donne soif, je sais, mais bon, on s'en fout un peu. On a de l'eau. Comme ça, on n'a pas besoin de taper dans la viande. On va peut-être prendre un steak, mais voilà. Ça, c'est chiant. Bon, on a pu dessiner un peu plus, mais bon. Maintenant, il fait froid. C'est pas grave. On va un peu s'avancer. Alors là, on n'a pas le... On n'a pas le sac de couchage, donc on est obligé de faire demi-tour si jamais il y a quelque chose. Le sac de couchage, en fait, on pourrait vraiment le prendre encore sur nous. Hein. Parce que là, on a déposé tellement d'objets, donc on est tranquille niveau poids. Je serais pas étonné qu'il y ait un ours quelque part, honnêtement, dans cet endroit-là, comme ça. Connaissant Interland, ils aiment bien mettre des ours quand vous avez des lignes droites. Enfin non, pas des lignes droites, des couloirs. Genre là, un pont comme ça, couloir,
Moi, je vois bien un ours en plein devant. Après, j'ai vu qu'il y avait des massettes en bas. Là. On va continuer un peu. Ah, je sais qu'il fait froid. Mais... Ok, rivière. Encore des voitures. La 7. C'est top cet endroit. Je sais que j'arrête pas de le dire, mais c'est vrai que Black Rock c'est cool, hein. Mais j'ai pas passé. J'aime bien moi la découverte. Mais après, si on peut lier la découverte avec des zones que j'aime, genre ce type de zone là, ah, moi je suis content. Un truc qui serait bien, c'est des zones qui sont procédurales peut-être. Enfin, je sais pas ce que ça donnerait dans The Long Dark, honnêtement, ça serait compliqué. Genre la map qui se crée. Je sais pas. Ça serait très compliqué quand même à faire. Hein. Dans le sens où faut que ça soit un peu équilibré quand même, vous voyez. Quitter le col du Garde du Sud. Faudrait que ça soit un peu équilibré quand même, vous voyez. Ça, c'est pas le bordel, quoi. Alors, où est-ce qu'on est? La vallée charmante, je sais exactement où est-ce qu'on est en plus. Je sais exactement où est-ce qu'on est, on y est allé en plus ici. Donc maintenant, ça donne là. D'accord, ok, cool. Normalement, on peut. Après, on peut aller sur la droite et grimper. Y a la voiture là-bas, ouais. Genre, on est. Normalement, on est là. On est là. Ouais. Ça, c'est pour monter. Il y a le signal et tout là. Il y a la rivière qui est là. C'est celle-là. Donc, on est juste là. Avant, il n'y avait pas un éboulement, là? Faudrait qu'on retrouve les zones. Parce que je sais qu'on est allé, là. On est venu. Genre, ici, on est venu. Donc, je voudrais bien... Oh, on voit une voiture. Est-ce qu'on a cette voiture qui est devant? Ah oui, c'est celle-là, du coup. Okay. Donc, je voudrais bien qu'on retrouve la vidéo où on était allé, parce que moi, je me rappelle plus comme ça de tête. Mais voir ce qu'il y a là, ce qu'il y avait avant. Il y avait pas un éboulement? Je pense qu'il y avait un éboulement, perso. Ah, le vent qui est en pleine face. Ah, c'est chiant, ça. Entendez un couinement, comme s'il y avait un lapin. On va aller se réchauffer d'abord. Puis après on va encore un peu fouiller. Enfin, on va pas fouiller des masses parce qu'il fait super froid, mais... Alors déjà, bon, on a vu qu'il y avait ce passage-là, donc c'est pour aller à la vallée charmante. C'est pas mal, c'est pas mal. Après, ça expliquerait pourquoi aussi cet endroit a l'air d'avoir beaucoup de petites tempêtes, là, comme ça, du vent tout le temps. Parce qu'il est lié à la vallée charmante directement. Donc peut-être qu'il a un peu le même temps que la vallée charmante, qui est un temps de merde. Ceci explique cela, peut-être, hein, j'ai envie de dire. C'est la vallée charmante, honnêtement, c'est la merde. Qu'est-ce qu'on avait à la vallée charmante? Qui pourrait être intéressant de récupérer. La vallée charmante, qu'est-ce qu'on a? Honnêtement, je m'en rappelle plus. Ouais, non, on est bien à la vallée charmante. Ah ouais, là, niveau tempête et tout ça, ah ouais, c'est le fun, le pied, quoi. Putain, je déteste cet endroit. Donc, nous, on est allé là, donc là, ça fait vallée. Donc, fais voir. Nous, on est là.
Ce qui est con, c'est qu'il n'est pas écrit. Hein. Donc Blackrock est là. Donc nous, on est descendu comme ça, je dirais. Parce que la vallée charmante, elle est sur le... Ah, quoi que non. Non, on a fait ligne droite comme ça? Donc la les zones où on est là, ce serait ça? Enfin non, quand on regarde la vallée charmante, on est plutôt sur le... Genre, imaginons que c'est un carré, la vallée charmante. Oui, j'essaye de gagner du temps parce qu'il y a la tempête, ça me fait chier. Donc on va parler. Donc imaginons on est un carré, la vallée charmante. Donc nous, on arrivait dans ce coin-là, en fait. Donc moi, pour moi, les zones, là, les deux petites zones, là, ce serait ça, genre par exemple. Et là. Et après, il y a Blackrock au-dessus. Pour moi, ce serait comme ça. Donc peut-être qu'on peut arriver au lac Mystère, hein, si on va à gauche. Non? Genre là. Ça paraît logique, non? Dans ma tête, en tout cas, ça paraît logique. Faut avouer. C'est bien pensé. Oh mon dieu. Après, en parlant de... Ouais, mais là, je vois rien. Si jamais il y a un ours ou une connerie... Genre, quand on le verra, c'est quand il nous foncera dessus. Donc, laisse tomber. Après, il y a aussi l'autre côté. Vous vous rappelez, j'étais dans la forêt où je prenais des champignons. Et à un moment, j'ai dit, on va faire demi-tour, on garde ça pour plus tard. Donc, même là-bas, on pourrait repartir, en fait, pour aller fouiller un peu plus. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Donc ça c'est bon. Donc il faudrait un peu passer du temps à l'intérieur. Je pense qu'on peut coudre des choses. Ou alors on peut faire ce qu'on a un bout de métal. À la limite je pourrais faire genre deux hameçons. Je crois que c'est par deux ou par trois. Là, on pourrait tout simplement... Ah, il fait nuit. Je vais faire complètement nuit bientôt. Ça, ce froid. Bah, du coup, on va se déplacer la nuit, hein, si jamais. Si jamais il n'y a pas grand chose. Par contre, il me faudra un peu plus de. Un peu plus de nourriture. Honnêtement, on a un temps vraiment de merde. Après, on pourrait faire encore un feu, histoire de faire de l'eau et tout ça. Pas un coup fin, là, mais... Ça m'embête un peu. Mais ça, c'est pas prêt. Parce que qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce qu'après je pourrais m'éclairer genre au feu à l'extérieur. Comme ça on peut coudre et tout. Mais bon, on n'a pas 36 milliards de choses à coudre.
Genre quoi, ça, 1, 2, à la limite, 3, 4, ça c'est à 96%, on n'a pas vraiment besoin. Ce serait bien de le réparer ça aussi. Après il faut des pots, on n'a pas les pots. Donc j'ai envie de dire, c'est pas vraiment très utile en fait de faire du feu. Ce qu'il nous faudrait, c'est une bonne aurore boréale en fait. Bah là, je crois qu'on va juste tout simplement attendre. Ça m'embête de faire ça, mais. Non, on n'est pas fatigué. Genre, ça, elle va pas vouloir s'il fait nuit. Yeah. Donc j'ai l'impression, je sais pas s'il va plus vite quand on l'a dans le sac ou quand on le laisse à l'extérieur. Je sais pas quoi faire, parce que là j'ai l'impression qu'on va perdre notre temps. Je pourrais ressortir, sprinter un peu, récupérer 3 branches, refaire un tour dans le mobilhome, dormir une heure, etc. etc. On pourrait faire ça à la limite. Pour passer le temps, mais ça m'embête honnêtement, c'est pas vraiment intéressant. Ouais, là du coup c'est pas vraiment fun. Bon déjà il fait un peu... Ah, il voit déjà un peu mieux. Ok, bon là ça change tout là. Là on a la pleine lune. Bon là on peut avancer un peu. Yes! Tunnel! Tunnel, ça peut être le lac mystère. Parce qu'il y a le... Ah non, mais c'est des rails. 1000 tonnes, j'ai rien dit, c'est à 1000 tonnes. Je comprends rien du tout à la map. la proportion... Faut être honnête, hein, la proportion des zones, des régions... Quand vous êtes dedans et quand vous regardez la carte, elles sont... Hein, elles sont merdées, hein. Ils ont fait un peu ce qu'ils ont, ce qu'ils voulaient, hein, les développeurs. Ça, on l'avait déjà vu avant. Faut être un peu sérieux pendant... Ah non, là, c'est les quoi. Ouais, on a vu quand même qu'ils font un peu ce qu'ils veulent, hein, pour les proportions. C'est un peu comme les bâtiments. les bâtiments... Quand on regarde certains bâtiments, si on les mesure de l'extérieur et de l'intérieur, c'est pas du tout pareil, hein. Moi, ça m'a toujours fait rire, ça. Mais c'est des choses comme ça qu'on fait pas attention en fait quand on joue. Puis après le jour, le genre la seconde où on s'en rend compte, on se dit ah ouais quand même. Genre là le mobilhome il est assez correct je pense en proportion. Genre extérieur, intérieur. Genre 1, 2, 3, 4, 5. Genre 5 pas à peu près. Ah mais on voit rien, il va faire nuit. 5 pas à peu près, si j'en ai là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 7, 7 et demi, un truc comme ça. Donc même à l'intérieur, il est un peu plus grand que ce qu'il apparaît à l'extérieur. Le pire, je crois que le... Si on parle de ça, 5 minutes. Le pire, je crois que c'est vers 1000 tonnes. Ou même l'autoroute côtière avec les différentes maisons. Il y a la station-service de Milton, je me rappelle, elle est méga grande à l'intérieur, alors qu'à l'extérieur, on dirait qu'elle est vraiment toute petite. Ça m'a toujours fait rire, ça. C'est assez comique. C'est pour ça que les zones, comme ça, elles sont coupées par un chargement, en fait. Et les bâtiments, pareil. Parce que sinon, on peut pas les ouvrir, parce que si on les ouvrirait, en fait, ça casserait tout, quoi. Je perds du temps parce que c'est chiant.
parce que c'est chiant. Là, on a c'est la nuit, c'est un peu un temps pourri. Là, les mémoires tampons, on n'a pas vu tellement. Hein. Putain, 23 sur 25 de notes, c'est pas mal. On pourrait aller pêcher. Ce qu'on pourrait faire en fait, ici, avant de partir. On va ressortir encore une fois. Avant de partir de cette zone, c'est peut-être pêcher et essayer d'être au niveau max. Parce que je vais être honnête, je... Ah, il y a peut-être une grotte là-bas? Je me rappelle plus d'où on vient. Non, c'est pas là où ça bifurque et il y a les bois. Non, ça c'est plus loin les bois. Et là on n'y est pas allé, je crois. C'est où j'ai dit on va faire demi-tour parce qu'on voit rien. On va voir. Ce qu'on pourrait faire, ouais, ici, c'est pêcher à la limite. Ou alors non, c'est les bois ici. Non, c'est peut-être les bois en fait. Ah oui, c'est les bois. Ouais. Parce que j'ai toujours voulu, comme j'ai dit, monter le niveau de pêche. Donc à la limite, on pourrait le faire ici. Parce que je, honnêtement, je pense qu'on a peut-être fini avec la zone. Je crois qu'on a fait le tour. Mais on n'a pas vraiment besoin de se bouger les fesses et de partir, quoi. Parce qu'il y a plus ou moins tout ce qu'on veut ici. Donc bon... Les loups, au bout d'un moment, ils vont revenir, donc ça nous fera un peu plus de viande. Et la pêche, ça nous permettra de survivre aussi. Et puis on a beaucoup, beaucoup de bois. Faudrait juste trouver un moyen de descendre, en fait, directement. Faudrait juste trouver un moyen de descendre. Oh, so cold. Faudrait qu'on voit si on peut. Ah, c'est fun, hein. Là on s'amuse. Aïe aïe aïe. Ah, c'est fun, ouh là là. Alors si on trouve un moyen de descendre, je le fais. Il y a le tonneau à casser aussi. Mais je crois pas. Hein. Je pense pas. Non, je pense qu'on est obligé de faire le tour. Bon, après, c'est pas des masses loin, mais bon. Là, autant d'excitation, mon dieu, je vais pas tenir moi, autant d'aventures. Il va et vient dans un mobilhome, bah, super, hein. S'amuse. Après, si on y allait maintenant, on a le sac de couchage sur nous. On a le sac. On a le sac. C'est-à-dire que si j'y vais maintenant, je descends genre avec plein de bois. On fait un feu qui dure extrêmement longtemps. Et on fait que pêcher.
et on prend le sac de couchage avec nous. On a 8 fils. Ça va. On peut y aller maintenant. Vous voulez que je vous dise aussi le problème que ça va être la pêche? C'est récupérer le poisson, c'est ramener tout le poisson. Ça va être une merde. Pas me dire tu vas me mettre à une tempête maintenant. Juste quand j'ai décidé de partir. Tu vas pas me dire ça quand même. Sans déconner, t'es en train de me mettre un blizzard maintenant. Non, on va pas y aller. Parce qu'on va avoir le vent et tout ça. Ça va être chiant, on va pas pouvoir avancer. On va attendre, on va attendre. Je tente pas le blizzard. De toute façon, il va bientôt faire jour. Ouais, on a qu'à faire ça pour cet épisode. Genre, il reste quoi? Allez, on va faire encore 30 minutes d'épisode. Bah, on va faire 30 minutes de pêche. On va encore un tout petit peu. On va attendre quelques heures, genre 2-3 heures. Ah, je peux peut-être casser ça maintenant. Très bien. Ça, on n'avait pas besoin de dormir l'heure là, mais bon, on va y aller quand même. Enfin, on le fait quand même. Aujourd'hui, on va pêcher. Parce qu'il fait beau. J'ai laissé la viande parce que... Du coup, on va pêcher. Donc, on va pouvoir manger directement. Alors, honnêtement, la pêche, c'est fun au début. Peut-être, c'est peut-être, on va dire, utile au début de pêcher. Pour pouvoir récupérer de la nourriture et tout. Mais, en fait, un truc qui a jamais changé avec la pêche, c'est les calories. Est-ce qu'on peut directement descendre ici? Ouais, non. C'est les calories et le poids du poisson en fait. C'est décuplé. Le poids est décuplé par rapport aux calories. C'est un peu abusé. Et le problème c'est que, à la limite, je dirais ok. Mais si c'était simple de pêcher. Mais c'est pas simple en fait. Parce qu'au début, vous allez péter la ligne quasiment tout le temps. Vous allez récupérer que des petits poissons. Après, il y a le côté droit, là, que je voudrais aller explorer. Mais bon, on a dit qu'on allait, pêcher, maintenant. On va pêcher. C'est pas super fun, en fait, de pêcher. Genre là-bas, là. Faire attention si les loups sont pas revenus. Je crois que j'aurais pu couper à gauche. Oh, il y a là-bas aussi. Il y a encore quelques endroits à fouiller. On va pas sprinter parce que sinon on va se fatiguer. Donc ouais, c'est pas... Et puis en fait les endroits... Après bon... Oh, il y a un truc là-bas. Il y a les corbeaux. Après, je suis d'accord que... Je le prends d'un côté... intrus. Ah non, mais là, c'est là d'où on vient. Il y a le cadavre du loup. Je le côté intrus.
Alors après, dans les autres modes de jeu, bon, ça passe très bien. Hein, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de se réchauffer. Là, on a besoin tout le temps de se réchauffer, en fait. Ah, il y a un truc, là. C'est ça, le problème. C'est qu'on a toujours besoin de se réchauffer, en fait, en un truc. Sinon, on peut pas pêcher. J'aurais bien voulu qu'il y ait une porte, aussi. Yes, la loupe. Ah, mais en plus, c'est le moment parfait, en fait, pour faire de la pêche. On peut utiliser la loupe. Ah, je suis content. Ah, ça tue. Très bien. Très, très bien. Donc ouais, ça pèse lourd, c'est pas très bien niveau calories-poids. C'est... Ouais, non, honnêtement, c'est pas le top. C'est pas du tout intéressant de pêcher. C'est vraiment le kiff de le faire. Non, on peut faire ça. Comme ça, ça me réchauffe un peu. Par contre, je veux aller voir ce qu'il y a derrière. Voilà, pour faire le trou. C'est bien. Alors, on a des massettes. Mais on a ça aussi. Ok. Je vois rien. Je vois rien de spécial à récupérer. Et aussi, si vous n'avez pas un fait-tout. Parce que le fait-tout, vous pouvez mettre 2 litres d'eau. Donc, pour faire 2 litres d'eau, ça prend à peu près 1h30. 1h30, 2h. Et puis dans le fait-tout, ça met du temps quand même à s'évaporer. Donc vous avez 2 bonnes heures. Attendez. Alors que là, nous on n'a pas de fait-tout. Donc du coup, on peut pas faire de l'eau pendant qu'on pêche. Parce que ça aussi... Si on pouvait faire de l'eau pendant qu'on pêche, c'est pas vraiment un problème. Mais là, on peut pas, nous. Donc du coup, il va falloir s'arrêter, faire de l'eau pendant un moment. Donc on peut pas pêcher. Ah, c'est la merde, hein. Oh mon dieu, c'est quoi ça? C'est l'ombre, quoi. Ça m'a fait peur. Ah, c'est la merde, hein, là. Poup. Hop là. Grand... Carégone cru. J'ai peur que ça casse. Après ça va, il fait pas trop froid. Non. Mais voilà, les secrets de la pêche. Donc, on regarde. 1,22 kg pour 584 calories. C'est pas du bêtement abusé. C'est bien.
Waouh. T'es fan, non? Je crois que 2 heures, c'est pas mal. Des séances de 2 heures. On boive. Le mieux reste quand même de lire d'abord les livres et après de pêcher. It's getting dark out here. Time to look for shelter. Non mais t'es sans déconner quoi. I could eat anything right now. De feu. On n'a plus d'eau, c'est bien, mais on a faim. Ok. Ça c'est quoi? 400 calories. Ça. 25 minutes. C'est nul, hein? C'est nul la pêche. Et on prend que dalle aussi comme expérience parce que sinon. Ah oui, un truc par contre, oui. Un truc bien, c'est que c'est la seule façon de récupérer du carburant. C'est vrai, j'avais oublié ça. J'avais complètement oublié ça. J'avoue, plus le... Plus le poisson est gros et plus on a de l'huile. C'est vrai qu'il y a ça. Et bah du coup on doit faire de l'eau, c'est bon. Bonne aurore boréale. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la justification de faire de la pêche, à la limite, ce serait pour faire de l'huile. Ce serait vraiment ça. Du combustible pour la lampe. Après, on se fatigue pas des masses. Parce qu'on bouge pas vraiment. Mais bon, ça reste un peu embêtant quoi, de faire de la pêche. Après, on peut trouver des gros trucs, hein. Voilà, 1390 calories. À chicane, à petite bouche frais. Il a une gueule, elle est énorme, mais bon, quand même. Grand, poisson d'eau douce commun, petit mais très répandu. Et ça dit quoi? Poisson d'eau douce de bonne taille, supporte très mal les eaux polluées. Après oui, on peut...
On peut trouver un truc, on peut trouver des gros poissons, mais ça va. Attendez, j'essaye de faire un truc. mais ça va être absurde le poids. Ça va être complètement débile. Genre lui il fait 5 kilos pour 1300 calories. 48 minutes. Voilà, c'est ça que je voulais faire, c'est dormir une heure en fait, pour le temps que ça cuise. Il fait 1700 de calories. C'est ça, c'est super hein, pour une case. Mais bon, la case, elle fait 3 kilos. Alors que vous prenez deux steaks de cerf. Deux steaks de cerf, c'est 1000. À notre niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment pas bien. Après, je sais, et pour vous dire, je sais même pas... si le niveau, on prend plus d'expérience si on prend des gros poissons. Ça, je sais pas ça. Après, on n'a pas cassé de fil, rien, donc ça c'est bien déjà. Faudrait qu'on arrive au niveau 3 au moins. Honnêtement, si on arrive au niveau 3, je serais content. Là, on va peut-être pouvoir durer encore une journée, mais je suis pas complètement sûr. Ouais, je suis pas sûr. Elle va être trop fatiguée, je pense. Puis là, du coup, là, on peut pas partir en fait. C'est un peu la merde. C'est un peu la merde parce que j'ai plus de... peu de bois. J'ai vraiment plus de bois. Ah non, j'ai plus de bois. Après, on peut repartir et aller vers la grotte et dormir dans la grotte à la limite. On peut faire ça, mais voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a accompli? Bah, pas grand-chose. Pêcheur à glace, on était quoi là? Genre à peu près? On a pris ça de niveau? Waouh, trop bien. Et en contrepartie, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on a utilisé énormément de bois. Alors oui, on a récupéré 0,23 de combustible pour lampe, à la limite. 0,23, ça fait 2 torches à 100%, si je dis pas de bêtises. Ça fait 2 torches à 100%. Ah, on voit que ça, c'est plus lent, hein, vu qu'il fait froid. Le temps se... les minutes sont plus longues. C'est sympa, ça. C'est exactement pareil. Après, on a un café, hein, si on est dans la mer niveau...
pour dormir, on a un café. Pour se remettre un peu d'aplomb. Je sais pas si je vais avoir le temps. Non, c'est pas. Oh, on n'a pas froid? Ah si, ça commence. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Non, ça commençait. C'est juste parce qu'il y avait encore la chaleur, du blaze zéro, etc., etc. J'ai bien pris... Moi j'ai envie de dire c'est une perte de temps hein, la pêche, hein. C'est vraiment une perte de temps. Hein. Après il faudrait des endroits en intrus je parle. Hein. Faudrait des... En plus on est... nous on est une zone adjacente à la vallée charmante, il y a des tempêtes genre tout le temps, c'est une horreur. Alors, on peut peut-être remonter au mobilhome, ça va, c'est pas très loin. Genre il y a des tempêtes tout le temps, donc il fait froid tout le temps. À la limite, le lac Mystère est une meilleure zone pour pêcher. Mais le lac Mystère, il faut aller en plein milieu du lac. C'est relou, c'est très très relou. Ah ouais, carrément. Faut pas qu'il y en ait un devant nous. Did I say I hate being cold? Because I really do. Le vent fait du bruit, j'ai du mal à entendre. Tais-toi. Une plume. Non, on est bon. Ok, on est bon. Petite frayeur avec les loups qui sont revenus. Donc on a vu, il y avait deux loups. Donc ça veut dire que on peut refaire encore des steaks. Avec, honnêtement, genre en intrus, enfin avancé, parce que aussi il y a un système de jours. Genre le premier jour on peut pas se faire attaquer, le deuxième jour il y a les loups qui arrivent et tout ça. Je crois qu'en intrus c'est le premier jour que ça arrive. Enfin, bref, il y a aussi, en fait, il y a assez de viande pour le renouvellement en fait des loups pour cet endroit. Donc honnêtement, parce qu'en plus il y en a 2-3, je pense qu'il y en aura 3 du coup, parce que quand on va retourner au mobilhome, on va sûrement avoir l'autre. Donc du coup il y en aurait 3 et ils sont vraiment très proches les uns des autres. Ils sont vraiment très très proches les uns des autres. Et du coup, on peut complètement vivre ici, en fait, je crois. Moi, je dirais.
Vous voyez ce que je veux dire? Genre, on va jamais mourir de faim parce qu'on a toujours des loups en fait qui apparaissent. C'est top, hein? Fourrure en lapin séché. C'est super, hein, cet endroit en fait. Vraiment cool. Je crois qu'on va dormir maintenant. Je vais être honnête, je voulais coudre mes trucs. Bon, déjà, il fait nuit, donc elle va sûrement pas vouloir. Même si c'est dans la grotte, elle va pas vouloir. Mais on est fatigué. Et là, on est en pleine forme. Donc, autant dormir. Mettre fin à l'épisode maintenant. Dormir une dizaine d'heures. Comme ça, elle sera un peu mieux. Ah, ces bruits, là, ça me dérange. Désolé, j'ai du mal à formuler mes phrases. Donc ouais, et je pense que le prochain épisode va peut-être partir, parce que honnêtement, pêcher pendant 3 ans ici, c'est pas trop mon truc. Enfin après, j'ai bien envie encore une fois de monter niveau 3, mais bon, c'est un peu casse-couille. On va voir comment ça se passe, ok? On va encore un peu se balader, on va d'abord tuer les loups, récupérer les boyaux, la peau, tout ça. C'est vrai qu'on a même pas récupéré la peau des autres. Voilà, mais on va faire des trucs avec les loups, récupérer la viande surtout. Puis après, peut-être qu'on va rentrer. On va aussi raccommoder quelques trucs. Si on a des pots. Les pots des cerfs, ça va durer encore. Ah, les pots des cerfs seront prêtes aussi bientôt. Donc on peut à la limite rester encore quelques jours ici. Le temps de réparer nos vêtements et d'utiliser les pots. Comme ça, on n'a pas besoin de se les trimballer sur nous. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Comme ça, on n'a pas besoin de se trimballer les pots sur nous. Il y a peut-être les bois qui seront prêts. Donc on pourra faire peut-être des fûts de flèches. Et à la limite, faire les 3 autres flèches. On a encore quelques trucs, on va en tirer encore quelques épisodes de cet endroit. En tout cas, ce sera tout. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.